Cher ami, le jour où j'ai échangé avec Didier Drogba, quand je suis venu à la maison, mais j'ai dit à ma femme, madame, j'ai échangé avec Didier Drogba. Ma femme me dit, elle me dit, c'est quoi, tu rêves? Ma femme, elle m'a dit, tu rêves. Toi, tu vas trouver le Didier Drogba. C'est pour eux un devoir de célébration que se creuser en l'honneur de l'ex-international footballeur Didier Yves Tebeli Drogba. Une initiative mûrement réfléchie et pensée par Innocent Adjeté alias Atindo Kledje qui voit en effet ses efforts venir à bout. Un fan club s'inspirant et partageant les mêmes valeurs que la superstar africaine au destin extraordinaire. L'objectif étant entre autres de bénéficier de son expérience pour le rayonnement du football béninois. Didier Drogba, c'est une légende du football africain. Il a montré ses preuves un peu partout dans le monde et cela va de soi que nous le célébrons. Quand j'ai monté le projet, je l'ai appelé par le biais d'une autorité. Je n'ai pas créé, mais je ne vais pas créer le fan club de Didier Drogba sans son consentement. Il a approuvé, il a validé le projet. Le fan club de Didier Drogba s'est créé sur le volet social. C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup vont nous insulter, beaucoup vont nous critiquer. C'est quoi le fan club du tête, monsieur? C'est vrai, ils vont nous critiquer, acceptons les critiques. Nous, notre idée, c'est de créer le fan club de Didier Drogba pour avoir créé un emploi. C'est vrai aujourd'hui, les gens, c'est vrai que Didier Drogba, il n'est pas béninois. Mais Didier Drogba n'est pas n'importe qui. Nous allons signer, le fan club Didier Drogba va signer un partenariat gagnant-gagnant avec la fondation de Didier Drogba. Conscient de l'utilité que ce homme peut apporter au football africain, et comme le dit si bien nos frères ivoiriens, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Alors nous sollicitons à travers le fan club Didier Drogba que l'intéressé puisse regarder vers le pays, vers le Bénin, puisse apporter sa pierre à l'édifice, à la professionnalisation du football béninois, puisse travailler aux côtés de nos autorités qui sont déjà dans cette dynamique. Et c'est pour partager avec la jeunesse d'ici et d'ailleurs, pour partager avec tous l'expérience enrichissante de Didier Drogba que le fan club Didier Drogba est né. Je suis un fan de Didier Drogba, d'Aizoko. D'Aizoko, c'est mon joueur, c'est mon idole. Je l'ai aimé depuis que je l'ai vu à Marseille. Et depuis ce jour, je l'ai toujours suivi. Et aujourd'hui, quand on va parler du football dans le monde, on ne peut pas citer des noms sans citer son nom. Et aujourd'hui, nous devons le célébrer vivant. Nous avons besoin de ces joueurs pour aider les pays africains qui n'ont pas encore connu beaucoup d'évolution sur le plan sportif. Donc aujourd'hui, nous appelons l'icône africaine à venir nous aider, sur le plan africain, de nous donner des projets en matière de... parce que nous voulons avoir plusieurs Drogba en Afrique. Je tiens à féliciter et à remercier les initiateurs de ce fan club. Drogba, c'est quelqu'un qu'on doit célébrer en Afrique. Donc c'est un monsieur à respecter en Afrique. Il n'est pas un petit monsieur. Pour ceux qui ont eu à regarder les matchs de Didier Drogba, quand même, quand la bite ne suit pas la fin et que Drogba est sur le terrain, s'il y a un corner ou s'il y a un coup franc, allez, il faut te dire qu'il y a bu, quoi. Ainsi lancé, le creuset béninois fan club Didier Drogba, qui rassemble des soutiens fervents de l'ex-international, fait des vœux d'une descente prochaine de l'ex-footballeur pour une collaboration plus forte avec de réels impacts sur le football béninois.